Moi, Capitaine Rulskard, je vais vous guider. À toute vitesse! Stop! Bienvenue chez Swat Channel, puis-je prendre votre commande? Alors, je vais vous prendre un menu McFish avec supplément Coca et Nuggets de poulet. Ah, et un Sunday Apache barrette de RAM 16 Go DDR4. Vous voulez quelque chose? Un menu médiéval avec le jouet. Ce sera tout. Terminus, la bleusaille. Pour arriver au toit, vous n'avez plus qu'à prendre cet ascenseur. Merci, bon appétit, Monsieur Rooks. Ça se prononce Rules. C'est là que les enchères auront lieu? Ouais. Dans quelques minutes, elles seront lancées ici même. Pourvu que Suzy arrive à sauver Noël à temps. Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? C'était sûrement un coup de cette satanée tortue géante. C'est décidé. On va lui régler son compte. T'es avec moi, Toru? T'as dit quoi? Je t'entends pas. Qu'est-ce que t'attends pour revenir? J'aimerais bien, mais le problème c'est que... De un, l'eau est glacée. De deux, je sais pas nager. T'es un type... Oh, c'est quoi ce comble? Ah, quelle bande de nuls! L'angle du canon était réglé, le boulet était suffisamment puissant, tout était calculé minutieusement, et malgré tout... ils ont réussi à le louper! Bon, ça va, relax, Morton. Obladi, oblada. Il reste quelques pièges en stock, ça va bien se passer. Oups, j'avais pas vu l'heure. J'aurai ta peau, lézard de malheur. Niveau de YouTube, j'ai commencé en 2014 avec d'abord des vidéos creepypasta classiques où juste je lisais sur le site Creepypasta for the Crypt, qui est un site, voilà, c'était la référence en termes de creepypasta en France. Et tout ce que je faisais, c'était que je lisais le script tel qu'il était écrit et je faisais un montage d'image par-dessus avec une musique libre de droit. Et au bout d'un moment, ça m'a juste cassé les pieds. Et du coup, il s'est passé qu'en 2017, j'ai repris le dessin. Merci les cours, hein, parce que voilà, je peux dire honnêtement, on peut dire des grossièretés. Tant que c'est pas. Je vous ai chié à l'école. Du coup, je dessinais, je me suis mis à dessiner dans les cours qui m'intéressaient pas et tout machin. Et puis, je dis pas qu'il faut pas écouter en cours, attention, mais moi j'étais vraiment ascolaire. Ouais. J'ai même failli, au bout d'un moment. À la deuxième année, lâcher le bac à la fin, dire je peux me mettre à fond sur YouTube. J'ai même un conseiller d'orientation qui m'a fait non mais essaye au moins parce que sinon tu vas le regretter. J'ai lu un rat du cul mais au moins voilà je l'ai. Et là ça fait 4 ans que je suis à fond sur YouTube. Là je vais enchaîner après le BGF, voilà, je vais continuer les animations, continuer les lives, me mettre à faire des commandes de dessin parce que ça a plutôt bien marché de la fois que j'ai fait. Et puis voilà, quoi du coup je parcours. Voilà. Et puis ce qui m'a poussé à en arriver là, c'est l'envie aussi, le fait que j'ai été soutenu par mes proches, genre mes parents, lorsque j'aurais parlé de mon projet de faire du YouTube, là j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu. Et j'ai dit à ma mère, voilà, je vais faire 100% du YouTube, elle m'a dit, bah vas-y, fonce. Je suis l'autodidacte, j'ai pris zéro cours. Je suis le MacGyver quand il s'agit de réparer comme mon trépied là, que j'ai réparé ouais. Les vidéos. C'est... Alors j'utilise Fire Alpaca qui est un logiciel de dessin gratuit et open source, donc c'est accessible à tous. Je le considère, personnellement j'appelle Fire Alpaca Pentoolsci mais en plus facile parce que j'ai déjà essayé d'utiliser Pentoolsci, c'est une grosse galère. Par contre j'étais sur Fire Alpaca et c'était beaucoup plus simple. Et ce qui s'est passé, c'est que Fire Alpaca je l'ai pris en main très très facilement à l'époque où j'avais une tablette graphique sans écran. Je crois que c'était une Wacom Pen & Touch il me semble. J'en ai trouvé une à 40 euros qui fait cette taille. Puis après, je suis passé à XP Pen, et puis voilà, j'ai fait quelques partenariats avec eux. Ils m'ont fait une tablette graphique gratos avec écran et tout. Et puis la technique, c'est du fait main. Parce que vraiment, j'utilise pas Adobe Animate ou de vrais logiciels d'animation, même si j'aimerais. Pas c'est que je fais ça que de mes journées, que j'apprécie. Oui, voilà, après, c'est ta passion et c'est ce que tu aimes faire, et on le sent. Et moi, je trouve que c'est ce qui est. La vidéo la plus populaire, c'est Mario. C'était une vidéo que j'avais faite en 4 jours pour réagir sur le trailer de Bowser's Fury et encore aujourd'hui je suis content de ce que j'ai fait. C'est d'ailleurs la meilleure fois où j'ai dessiné Bowser Jr. D'ailleurs c'était petit, j'arrive pas à le dessiner. Moi qui suis un gros adepte de Bowser Jr. et des Companions, j'ai du mal à les dessiner. Mais là j'ai pas eu de mal. Mais la vidéo que j'ai faite le plus rapidement c'était la première animation que j'ai faite sur le trailer de Pokémon Écarlate avec les trois starters qui sont en mode Jojo avec un extrait de Jojo en fond. Et parce que celle-là je l'ai faite en 12 heures, coup de top chrono, montre en main. Et je l'ai sorti le lendemain. Même un streamer de l'époque là que. Enfin streamer de l'époque n'importe quoi. Mais Just Play notamment qui
me suit, je sais pas s'il me suit encore, mais bref, voilà. Il avait réagi en stream justement quand j'avais envoyé un message comme ça pour dire bonjour, il a fait « Ah Neptenio, je sais toujours pas comment, comment t'as fait pour sortir aussi vite, parce que t'es sorti vraiment, vraiment dans après, ouais voilà, c'était genre sorti 2 jours après le trailer. Ah oui. Et oui, t'es en mode « je sais pas comment t'as fait, waouh, t'es un crack ». Soit moi de mon côté, j'ai pas l'impression de bosser aussi vite en fait. Ouais. C'est... Pour moi je bosse jamais assez vite. Alors que pourtant la partie 3 de Forêt Noire, j'ai mis 7 mois à la faire, 30 minutes. La partie 2 de Deltarune, j'ai mis un mois et demi, 2 mois à la faire, elle dure 20 minutes. Et d'un autre côté, je peux bosser sur une vidéo pendant 3 semaines sur un truc que j'aime pas. Phoenix Wrong partie 2 par exemple. Ah ok. Cette vidéo, j'ai détesté la faire. Voilà, et puis après ça m'a saoulé. Genre vraiment j'en ai eu marre à tel point que la fin de la vidéo elle est bâclée, mais c'était volontaire. Et au final, j'aurais pas dû la faire parce que j'ai pas kiffé la faire. Mm. Voilà, c'est... J'ai pas voulu l'annuler parce que je suis allé trop loin, j'avais engagé des comédiens et tout machin. J'avais pas envie de les avoir fait travailler pour rien, même si la plupart ils ont bossé bénévolement. Genre ouais vas-y tu as participé à ça, au final c'est annulé. C'est ça. Je me suis senti un peu bête de dire ça. Je prends les univers qui me plaisent et puis j'en fais une vidéo si je peux. C'est... Comme Resident Evil par exemple, Resident Evil 7, je me souviens que j'avais moins parce qu'elle avait pas bien marché. Après c'est normal parce que c'était à la sortie de Resident Evil 8, donc la hype était sur Resident Evil 8. Et Resident Evil 7, le jeu était vieux de 4 ans, donc voilà quoi, c'était normal. C'était un nouveau concept que je voulais faire, c'était Resident Evil 7 Snake Edition. Je voulais faire genre des résumés de jeux ou séries que j'aime, mais genre les personnages c'est des petits serpents, tu vois, des petits serpents simples. Ah oui, oui. Parce qu'à la place de faire du coup des trucs maintenant je dessine, je fais des dessins complexes, j'ai un trait beaucoup plus fin. Le trait de Forêt Noire, je vais dire la référence, le trait de Forêt Noire c'était en diamètre de pixels, c'est du 15 pixels. Mm-hmm. Aujourd'hui pour quand même clafoutis par exemple, je fais du 2 pixels. Ah oui. Voilà, c'est au fur et à mesure j'ai aminci. Mm-hmm. Pour Boucle à Fouti épisode 1, c'était à du 7, je crois, 7 ou 6. Au fur et à mesure des animations, j'ai aminci, puis là je suis à 2. Au niveau des thématiques, j'aborde surtout les sujets qui me plaisent. Quoi. Si Boucle à Fouti, par exemple, c'est une série très ambitieuse pour moi parce que je veux délivrer un message dedans. Je veux vraiment développer mes personnages, mettre un affect dessus et tout, pour que si jamais il leur arrive quelque chose, les gens. Voilà quoi, ils sont comme ça quoi, tu vois. Ouais. Et rien que par exemple, je me suis entretenu avec Over in French hier, je leur ai montré un peu mon travail et tout machin. Et je leur ai montré du coup un bout de la vidéo de l'épisode 4 de Forêt Noire et tout machin. Le canard T-Show qui au début de l'épisode là qui mange avec le méchant, il se prend une fourchette dans la main, c'est un personnage totalement random, mais la femme là, qui est pour Cover une crache, je sais pas son pseudo, je suis vraiment désolé. Elle fait oh non le pauvre canard T-Show. J'ai pas entendu trop de réaction, mais dans l'épisode 5, il y a un Mustéflot qui se prend une fourchette dans l'œil. Oui parce que le méchant il a un problème avec les fourchettes. il se prend une fourchette dans l'œil, tu te sens mal pour lui quoi, le pauvre, il a rien demandé quoi. Et ce boucle à foutis vraiment c'est. C'est pour l'instant, il y a un disclaimer au début qui dit ouais ça va être sanglant, un peu vulgaire et tout, pour l'instant ça va, c'est voilà. Au fur et à mesure que ça va monter, j'interagis, des fois je réponds à des commentaires qui me font rire, des fois j'interagis avec eux sur Twitter, j'interagis beaucoup avec eux sur Twitter, je suis très actif sur Twitter. Et mine de rien, je trouve que c'est important d'être un minimum proche avec la communauté. Parce que je me souviens que c'est un reproche que certains de mes amis m'ont fait, c'est que mes amis proches, c'est que. Je suis plus, c'est certains aussi membres de mon Discord, c'est que je suis plus aussi proche que de ma communauté qu'avant, lorsque j'avais 30 000 abonnés. Parce qu'après c'est normal, je dis j'ai 140K, je peux pas répondre à tout le monde. Communauté aussi. Voilà c'est ça, mais quand je tombe sur des commentaires qui me font rire, quand je tombe sur des gens qui me font rire, et des gens qui ont des débats intéressants, j'interagis, j'aime bien interagir. Pourtant je suis quelqu'un de très introverti qui a peur de parler aux gens. Et sur internet j'ai pas trop de mal. Ouais. Non, vient de moi. Il y a des fois, c'est arrivé pour Forêt Noire et du coup pour Boucle à Fouti pour les deux derniers épisodes. J'ai demandé juste pour Forêt Noire, j'ai demandé balancez vos OC et je vais en faire un sketch rapide pour le mettre dans une foule. Parce que j'avais besoin du coup de mes membres pour faire une foule, faire juste des boules et tout machin, tu vois. Et du coup j'ai fait ça, tu vois. C'était des foules du coup pas colorées et tout machin, mais du coup j'ai fait ça. Et pour Boucle à Fouti, j'ai demandé balancez votre Pokémon préféré et je les mets dans le décor des personnages tertiaires, tertiaires, je sais pas comment on dit, quadrupère. Quadrupère, voilà, c'est ça. Il y a les persos là, t'as un Galap, t'as un Mangrif, tout machin, c'est les Pokémon préférés de la commune, et puis voilà, c'est.
j'en ai intégré quelques-uns. Justement, encore une fois, mes proches chez moi du coup, me soutiennent, ils sont à fond avec moi sur ce projet. Que ce soit sur les commandes de dessin et tout machin, je suis soutenu à fond et vraiment ça fait plaisir. Parce que c'est pas n'importe quel parent qui accepterait que leur gamin resterait, voilà, parce que t'as pléthore de parents qui sont en mode non, un vrai travail, c'est tu sors, tu vas déposer des CV, et puis voilà, parce que je me considère vraiment comme quelqu'un de chanceux. Et c'est pour ça que voilà, mes parents, j'en fais des gros bisous, parce que voilà, c'est mine de rien, oui, c'est vraiment en grande partie grâce à eux, c'est en grande partie grâce à leur soutien que je continue. Et la solitude, c'est compliqué, des fois je m'en mords les doigts. Hein. Ouais. Des fois je m'en mords les doigts parce qu'en plus je suis quelqu'un, j'ai pas le permis, j'essaie de le bosser, mais c'est vraiment difficile. Et j'ai envie de voir des gens, des fois j'en crève, j'ai l'impression des fois, il y a même des fois, c'est vraiment très très implicite, mais des fois, ma chambre, même si c'est mon espace de travail, des fois je la vois comme une cage. Ouais. Je la vois vraiment comme une cage, j'ai envie d'en sortir et parce que j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de passer du temps avec des gens. Ne serait-ce que, je sais pas, boire une bière avec un ami à un bar, tu vois. Alors que je suis un gros introverti, mais c'est malgré moi en fait, parce que je sors pas, je vois très peu de gens et voilà quoi, c'est des. J'ai pas de connaissances qui sont près de chez moi pour venir les voir et tout machin. J'ai des fois des amis qui viennent me voir à des occasions très très rares, mais c'est pas suffisant pour quelqu'un, pour. L'humain est fait pour partager des moments avec des gens. L'homme est un animal social, faut passer du temps avec des gens et c'est pas du tout mon cas. Mais du coup je me terre dans mes créations quoi, et mine de rien il y a de la matière, je suis content de ce que je fais mine de rien, parce que sinon je serais pas là. Et puis je suis très content, au final là, je regrette pas du tout, je suis qu'au deuxième jour. Rien qu'hier, j'étais dans mon lit d'hôtel, ensuite de la journée et tout, j'avais les pieds en compote, vraiment je sentais plus mes pieds, je suis couché dans mon lit tout machin. Et vraiment je me vois encore, je serrais mon oreiller. De genre en mode j'ai déjà pas envie que ça se termine. C'est pour ça que justement une fois que je suis rentré de BGF et tout, je vais me mettre sur mes vidéos et je vais beaucoup plus taffer le code aussi, parce que vraiment il me faut une putain de voiture, je veux m'en aller. Je veux prendre mon envol. Là, pour parler du début, il y a bien un truc qui m'a marqué, c'est mes 100 premiers abonnés. C'était tellement significatif, pareil, mes 1000 premières vues sur ma première vidéo, c'était sur la creepypasta Maski. L'époque où Creepypasta c'était vraiment la référence, Slenderman c'est trop cool, tu vois. La Basqui ça a super bien marché parce que je sais plus à combien elle est, mais bon voilà c'est. Et je me souviens que Basqui c'est ce qui m'a vraiment plongé dans le fait de les Creepypasta ça marche, je vais faire Creepypasta. Et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai eu mes 100 premiers abonnés. Et j'étais tellement content de les avoir que je suis allé fêter ça en McDo avec des potes du collège. Et puis aujourd'hui voilà c'est des trucs mémorable. Un truc que j'aime particulièrement, c'est quand il y a des streamers que j'admire beaucoup qui parlent de moi et tout machin, ça me touche beaucoup. Genre, pour prendre un exemple récent, il y a Phil Long, je lui ai fait deux animations pour ses let's play et tout machin, parce que j'ai récemment commencé à beaucoup consommer ses vidéos et à beaucoup l'apprécier. Et quand il m'a pubé sur ses lives et tout machin, ça m'a pas fait gagner d'abonnés, mais rien que le fait qu'il parle de moi, qu'il parle dans mon travail, en plus oui, il me connaissait, touchant, ouais. Il me connaissait tout machin, ça m'a touché, mais vraiment, vraiment comme ça quoi, tu vois. Pareil, Josplay, reprendre Josplay, je suis allé sur un de ses streams et tout machin banal, tu vois, récemment, et je me souviens toujours de sa réaction. Quand il m'a vu dans le chat, il a fait oh, je suis un Neptenio, ça fait longtemps que je te suis et tout machin. J'ai même connu ta transition que t'es passé au dessin animé. Je t'en ai dit, mais quoi. Pareil aussi, Kiki Flipnot, pareil, quelqu'un qui m'a. C'est une influence qui m'a inspiré pour me mettre à l'animation, parce que Kiki Flipnot, pareil, à l'époque de Flipnot Athéna et tout machin, je kiffais beaucoup son taf. Je me suis dit un jour je ferai des Flipnotes et tout machin, je suivais la hype de Flipnot Studio 3D avant que le projet soit annulé un jour avant la date de lancement. Et c'était vraiment, en plus 1er avril il devait sortir, c'est la boue. Je me suis dit voilà je vais faire des Flipnotes et tout machin parce que j'adore ce que fait Keke et tout machin, et Epic Guitar aussi, et Epic Guitar c'est plus anglais, mais surtout Keke Flipnotes. Et quand je lui ai fait un dessin et tout machin en mode fan art et qu'il m'a follow back par exemple, ça m'a. Et aussi pour finir, le moment le plus mémorable dernièrement, c'est les 100 000 abonnés. Et je me souviens quand j'ai posté la vidéo où je célébrais mes 100 000 abonnés et tout machin, j'avais la gorge serrée, j'avais mes potes qui me félicitaient et tout machin, voilà bravo, maintenant t'es popu, tout machin, ça m'a. Je fais surtout ce qui me plaît et je me dis
Du moment que je fais ce qui me plaît, je sais que les gens qui font, quoi. Beaucoup, oui, j'ai notamment un petit projet secret dont j'ai pas trop. Enfin, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie d'en parler tout de suite. Et notamment par rapport à Bouclair Footy, bah, une fois que j'aurai fini Bouclair Footy, bah, je continuerai après avec la suite, simplement la suite de Bouclair Footy. Parce que j'ai prévu un gros scénario dont j'ai déjà prévu la fin. Genre, je vais faire une série des 8 générations de Pokémon. Donc là, j'ai fait la 1, j'ai fait la 5, et là, du coup, je suis sur la 8. Et après, du coup, ce sera une autre génération. Voilà, quoi, j'ai déjà l'idée du climax de l'arc final, pour dire. Parce que je veux vraiment faire une grosse boucle, ouais. Vraiment un gros scénar et tout machin. Et puis voilà, et j'ai déjà l'idée du coup de l'aboutissement, quoi. Et qu'importe le temps que ça va prendre, là, du moment que je ouais, finis. Ouais, c'est vraiment quelque voilà, chose que tu veux voilà. Faire vraiment. Même si pour la foutie, là, je vais utiliser une méthode de diffusion différente, encore une fois, je sais, pour vraiment finir, parce que vraiment ça. La série, elle arrive sur ces deux printemps et vraiment ça me gave que bah on est encore qu'au début, quoi. C'est, ouais, c'est ça. Parce que moi j'ai envie d'avancer, lancer, ouais. Mais voilà, parce qu'il y a plein de trucs vraiment que j'ai envie d'aborder dans Boucla et ça avance pas, vraiment j'en ai marre. C'est du coup voilà, c'est bah, aller toujours plus loin, finir mes créations en cours, voilà, avoir une histoire à raconter, quoi. Si jamais je change d'avis sur le fait d'avoir des gosses, bah, je pourrais leur raconter. Voilà. Et mes accomplissements et motivés justement à l'idée de créer et toujours aller de l'avant, tout comme j'inspire mes abonnés à le faire. Voilà. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais quand j'aurai fini Boucle à Footy, je pense que d'ici là, bah, j'aurai peut-être déjà atteint les 200K. Oui. Qui sait. Mais je veux toujours aller de l'avant et voilà, bah, c'est aller le plus loin possible. Ouais, c'est ça. Aller le plus loin possible et inspirer mes abonnés du coup à le faire également. Voilà, jamais rien lâcher et continuer de dessiner.